bienvenue sur votre chaîne Agapao Press. Alors aujourd'hui nous vous proposons un nouveau numéro, bien évidemment dans le cadre de l'émission Les plus belles histoires d'amour du message. Donc j'animerai cette émission aujourd'hui avec vous, Sœur Divine Mosaka Chimanga, et j'aurai l'habitude de faire plusieurs numéros avec la collaboration d'Agapao Press bien sûr, et nous visiterons des foyers, des couples qui pourront nous donner leurs témoignages, leurs encouragements, mais aussi partager avec nous leurs combats et nous prodiguer leurs précieux conseils. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est facile ou il est encore possible de trouver des couples qui vivent ce message, qui prient ensemble et qui tiennent bon dans ce message à deux et qui surtout réussissent à rester amoureux? Alors oui, ce challenge est possible dans ce message. Donc, je vous invite avec moi à aller à la rencontre d'un de ces couples qui est un couple de Shalom, comme Frère Branham aimait appeler certains couples du Branham Tabernacle, mes enfants. Ben oui, là ce sont les enfants d'Arthur Mosaka. Donc c'est un couple qui s'est marié vers les années 2000. La sœur était très jeune, elle n'était âgée que de 21 ans. Et le frère de 23 ans et demi. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que leur témoignage est sans tache. L'église est fière d'eux. Leur pasteur est très fier d'eux. Alors je viens avec vous et allons découvrir ces trésors. Alors bonjour à vous deux. Lisa et Yadjo, frère Joseph. Yadjo pour les intimes, sœur Lisa pour les personnes externes. Bon, alors je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec Agapao Press. Si nous avons fait appel à vous, c'est parce que vous êtes un couple phare quand même hein, dans Shalom. Vous êtes un exemple pour toute une génération, même deux générations, parce que maintenant nos petites sœurs et les petites sœurs de nos petites sœurs sont en train de se marier. Donc oui, effectivement. Et nous l'avons fait aussi sous le conseil de votre pasteur qui a dit que ce serait bien qu'on vous interviewe, vous. Donc je suis très heureuse d'être ici avec vous. J'aimerais que vous nous partagiez vos expériences, vos conseils, vos combats, vos challenges avec moi, mais aussi avec tous nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent apprendre de vous, parce qu'il y a beaucoup, les mariages sont attaqués, on ne va pas vous mentir, vous le savez, et les églises sont composées des familles. Donc on veut mettre toutes les chances de notre côté. Donc je vais vous laisser vous présenter personnellement. On va commencer avec toi Yadjo, l'homme. Bonjour, frère Joseph Biombo, donc marié de la sœur Lisa. Nous sommes heureux de vous recevoir, de vous accueillir et très heureux de votre proposition, de nous avoir choisi. Donc nous tenons à vous remercier infiniment car nous sentons et trouvons que vous nous considérez. Donc nous allons essayer de répondre à vos questions et apporter notre pierre si possible. Donc je laisse la parole à ma femme. Alors, Lisa. Oui, donc c'est la sœur Lisa. Oui. Pour ceux qui ne sont pas intimes. Non, donc je suis l'épouse de frère Joseph Biombo ici. Comme il disait, nous sommes vraiment honorés en fait par votre proposition et nous vous remercions. Voilà, oui, nous sommes jeunes, nous sommes, comme tu disais, un éternel jeune couple, avec les années qui passent quand même et le nombre des d'enfants qui... Augmente. On espère que bon, bah là c'est bon. Hein? Mais voilà. Donc merci beaucoup. On espère que par nos réponses, si on pouvait aider, que ça puisse aider les mariés, les jeunes mariés ou les personnes souhaitant se marier dans le futur. Très bien. Alors, déjà, premièrement, je voulais savoir où est-ce que vous vous êtes rencontrés. Je sais que vous avez deux perspectives différentes, mais la même histoire. Alors, il y a Joseph. Où est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as rencontré Lisa, l'âge que tu avais, où est-ce que c'était? Et non. C'est très simple. Hein. Nous, oui. Nous nous sommes rencontrés à l'église. La première fois que j'ai vu Lisa, je devais avoir 9 ans. Wouh! Ok. Bon, c'est à l'église. Hein. D'accord. Après, nous avons eu... Nous n'avons pas eu le même parcours, puisque moi je suis arrivé, j'étais en Afrique, je suis arrivé en France, j'ai fréquenté l'église pendant je ne sais plus combien de temps, ensuite nous sommes partis de l'église et je suis revenu plus tard, mais bien longtemps après. D'accord.
Donc voilà, mais à l'âge de 9 ans, je pense même pas qu'on s'est adressé la parole une seule fois. Non, en fait, tu me dis rien du tout. De... Donc voilà. Ouais, 9 ans, toi t'avais encore tes petites fourrures. J'avais 6 ans. Oh ouais. Oui, tu avais 6 ans. C'était à l'époque à Lesia. Ouais. C'était un bébé. Les anciens combattants. Voilà. Mais ouais. Maman était encore maîtrise école du dimanche. Ah oui, ah. Oui, oui, oui. Donc oui. On se retrouvait à l'école du dimanche et. D'accord. Et voilà. Tu priais. Ouais, il priait à l'école du dimanche. Ouais. Non, j'ai prié une fois. Bah alors tu l'avais remarqué. Non, non, c'est une anecdote qu'on nous a racontée par la suite. Ah bon? C'était quoi l'anecdote? On veut savoir. Il priait. Histoire à suivre. Histoire à suivre. Oh, mais faut dire. Faut dire. Non, il priait. Maman était comme maîtrise d'école du dimanche et il avait fait. C'était quoi la croix, c'était ça? Oh. Non, non, c'est pas ça, c'est en fait ma belle-mère à l'époque, c'était la monitrice de l'école du dimanche des petits. Et ben, ce jour-là, j'avais assisté à l'école du dimanche, c'était à Lesia. Et à la fin de l'école du dimanche, elle aimait bien demander aux jeunes, aux petits-enfants de prier. Elle choisissait et ce jour-là, c'est tombé par moi. Ben, moi, c'est tombé sur moi. Je n'étais pas, si vous voulez, moi je connaissais pas le message. D'accord. Quand je suis arrivé d'Afrique. Oui. Et à l'époque, j'étais, on va dire, catholique, oui. On va dire ça. Parce que généralement, on suit les parents parce que les parents vont. Et, et à la fin de la prière, je me souviens encore, parce que moi je m'en souviens très bien, j'avais juste fait la. J'avais prié. Oui. Et j'ai dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, j'ai fait la croix. Ouais. Donc ça passe pas au sein de l'Église. Voilà. Et elle a dit quoi là, son justement, ma belle-mère du cœur, c'est très bien. voilà. Suite à cela, c'est comme ça que j'ai connu Sœur Monique. Ah d'accord. Donc, elle a remarqué. En fait, ouais. Le paradoxe, ses enfants ne m'avaient pas marqué. D'accord. Par exemple, à l'époque, on m'aurait dit c'est la fille de Sœur Monique. Ah oui. Bon? Voilà, j'avais pas souffert. En fait, j'avais gardé Sœur Monique en tête. D'accord. Que sa fille. Oh, donc peut-être que c'est Sœur Monique m'avait marqué. Et elle a marqué une grande partie de ma famille. Oui, oui, oui. Mais elle marque très, très, très. Honnêtement, Sœur Monique, c'est quelqu'un qui marque tout le monde. Exactement. Si un jour, la langue dans laquelle tu parles, peu importe où tu te trouves, tu rencontres Sœur Monique, tu vas t'en souvenir. Et c'est dans le bon sens qu'on le dit. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Donc, du coup, alors, si je comprends bien, quand tu es partie et quand tu es revenue, donc ça a été. C'est là, quand tu es revenu plus tard, tu as dit que tu es revenu beaucoup plus tard et c'est là que tu as pu remarquer non. Lesia. Toujours pas ? Toujours pas. Alors, vous êtes remarqué quand ? Comme je vous ai dit, c'est une très très longue histoire. Ah, d'accord. Très très longue histoire. Bon, la version courte, ça donne quoi ? La version courte, bah, en fait, à l'époque, il y avait le petit frère de la sœur Hortense. D'accord. Donc, Christian. Oui. Une personne qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, et j'étais beaucoup plus proche de Christian qui était proche de Lesia. Lesia, d'accord. Et une fois, je ne sais plus que c'était comment, j'avais appelé Lesia pour avoir le numéro de Christian parce que je changeais tout le temps de téléphone. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. En fait, c'était juste parler au départ. D'accord. Bon, parce que rappelons-le justement, entre parenthèses, Christian étant le frère de la sœur Hortense, voilà. Qui est la femme du pasteur, Lesia est la nièce du pasteur. Donc Lesia est la nièce de sœur Doriane qui est mariée avec le frère du pasteur. Donc Lesia et nous sommes cousines. Voilà. Donc c'est pour ça que aussi dans le cadre de la famille, c'est pour ça qu'elle était très proche de frère Christian. Ne vous me prenez pas. Voilà. On est la même. Ah oui, les spectateurs, là, il faut être clair. Non, j'avais pas vu aussi. Oui, oui. Non. Non, c'est très bien, c'est très bien. Non, oui, oui. À l'époque, en fait, on faisait juste parler, et c'est par la suite, mais encore longtemps après. Hein. Ouais. Je me rappelle, je l'ai appelé une fois, et je pense qu'on s'est recontacté, je ne sais plus combien de temps après. Ah oui, un mois ou 2 mois. Un bon moment. Ouais. Un très très bon moment. C'était après Villa B, après... Les camps des jeunes. Ah oui, les camps des jeunes. Mais est-ce que tu... Bon, enfin, moi, je pense, enfin, je ne suis pas très sûre, mais il y a beaucoup de frères, moi, je reçois des mails parfois, qui souffrent du fait que les sœurs sont souvent dans le rejet. Elles rejettent facilement les frères quand le frère vient les aborder.
Et je sais que Lisa, hein, pour l'avoir côtoyée aussi, elle a quand même été aussi très convoitée à l'époque. Et est-ce que tu penses que ce qui a joué à ta faveur, c'est le fait que vous connaissiez depuis longtemps, ou tu as eu aussi à batailler avec... enfin, batailler, bien sûr, tu as dû un petit peu aussi galérer, hein, en tant qu'homme, mais est-ce qu'elle t'en a fait voir de toutes les couleurs, comme la plupart des sœurs le font? Moi, je me rappelle, il y a un frère, j'étais toute jeune, il avait appelé papa, j'étais traumatisée parce qu'il pleurait au téléphone. Je vais parler avec la sœur Lisa. C'est ma nièce, tu ne me parles pas, laisse-la tranquille, elle ne veut pas parler avec moi. Donc, est-ce que tu penses que le cadre de l'église et le fait que, voilà, vous côtoyez un petit peu avec d'autres jeunes et Lisa dedans, t'a permis plus facilement d'avoir... Quel conseil tu pourrais donner à un frère qui est désespéré, qui ne comprend pas, voilà, pourquoi les sœurs sont souvent sur la défensive? C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est cas, ouais. Mon cas, c'était pas du tout ça. D'accord. Bon, est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est une grâce, je ne sais pas. Mais je dirais premièrement la difficulté qu'on a au sein du message. Je dirais plus ça. Ouais. Je vais pas parler des autres églises. Non, ou... oui. Parce que moi, j'ai eu à fréquenter le monde. Oui. Je pense que la mentalité des jeunes sœurs de l'Occident. N'a rien à voir avec la façon que ça se passe en Afrique, je pense. Okay. Parce que quand je vois juste le comportement des frères, de certains frères, c'est pas tous les frères. Parce que je pense, pour aborder une personne, surtout quand on parle du mariage, ce serait bien de connaître la personne. Une personne qui vit en Afrique, qui ne connaît pas la sœur qui vit aux États-Unis, du jour au lendemain, à l'appeler pour le dire, je vais te fréquenter. Voilà. Pour moi, c'est y a un décalage. Ouais. Bon, maintenant, ça, ce n'est que moi. Ouais, mais chaque non, mais personne ça... voit. Non, ça fait sens. Et oui, ça fait... pour nous, ça fait sens, mais ouais. pas pour tous. Ouais, pas pour tous. Donc voilà, je sais qu'elle a subi ce genre de contact par des frères. C'est vrai que c'était nombreux, mais. Ouais. Mais elle-même, qu'est-ce qu'elle a à dire? Parce que toi, t'as été quand même championne hors toute catégorie confondue du recalage. Ouais, donc, il avait dit, papa avait dit qu'il allait finir par la vendre aux enchères parce que ça devient grave. Mais quelle a été la différence en fait entre toutes ces choses, enfin toutes ces expériences que tu as vécues et l'approche de Yadjo? Est-ce que... En fait, il m'a pas approché, c'est ça la chose. Ah d'accord. C'est que, comme il a dit la première fois qu'on... Enfin, on parlait, il était très généreux. Il est très généreux. Et donc, souvent quand on voulait aller manger quelque part ou qu'est-ce, on se disait, allez, on va demander on va lui demander, parce qu'il était gentil, c'était même pas une question de profiter ou quoi, mais on savait qu'on avait un yaya et on allait lui demander et nous donner et tout. Et donc... On se parlait pas vraiment parce qu'il était, comme il dit, ami avec Christian. Et Christian, même si j'étais proche de lui, c'était pas mon ami en fait. C'était une personne dont j'étais proche de la famille. Et donc effectivement, ce jour-là, il m'a appelé et j'étais étonnée. J'ai dit, oh, tu m'appelles? Comment tu vas et tout? Normal. Et puis on a rigolé et tout. D'accord. Et puis au bout de, je sais pas, une dizaine de minutes, il me dit, t'as pas le numéro de Christian, s'il te plaît? Et là, je me suis fâchée. Parce que j'ai dit... Donc là, tu vois, tu m'as laissé parler comme si tu m'appelais pour prendre de mes nouvelles. Parce qu'on est à l'église, on discute, frères et sœurs, c'est vraiment pas scindé, on peut tous discuter ensemble. Donc moi, je me disais, oh, il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, c'est gentil. Et j'ai dit, donc en fait, tu m'as appelé pour prendre le téléphone de Christian. Ben tiens, le téléphone de Christian, au revoir. Et puis il était gêné. Et il m'a dit, oh, je suis désolée, mais non, prends pas comme ça. J'ai dit, ben non, mais c'est pas grave, au revoir. Et puis après, non, ça n'a pas forcément fait d'effet plus que ça, parce que c'est, il y a d'autres frères qui m'ont appelé comme ça et ça, je suis pas mariée avec eux. D'accord. Mais quelle a été la différence? Bah, je sais pas, c'est après, le temps est passé, on s'est rappelé. Et puis après, on a commencé à parler, mais vraiment parler. On s'encourage. Lui, il venait d'arriver, donc de vraiment arriver dans le message, s'encourager, etc. Mm-hmm. Et puis moi aussi, quand j'avais des soucis, des fois, je parlais avec lui. Et au fur et à mesure, c'est devenu un ami. Et après, c'est devenu vraiment pour moi mon meilleur ami et voilà. C'est devenu mon chéri et maintenant mon mari. Donc, en fait, pour moi, c'est comme ça que je vois comment ça s'est passé. D'accord, alors ça a commencé par une amitié. Oui, tous les deux. Ouais. Voilà. Vraiment. Okay. Parce que quand il est arrivé,
Il n'est pas venu avec une vision. Non, non, et puis même moi, quand je l'ai vu. Mais là, ça c'était mort. Ça, moi, c'était mort. Bon, c'est personnel. Hein. Ouais. Parce que, en fait, je me rappelle à l'époque encore quand. Parce que nous sommes pas quand même passés sur la. Nous sommes de la génération 2000. Oui. Et c'était à Shalom, pendant un moment, il y a eu. Fire. Ah oui. entre les fréquentations, ouais. Les copinages, et ouais. À un moment, on ne savait plus quoi faire. Et je me rappelle une fois, je parlais avec frère Arthur, il me disait, mais qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à elle? Tu as une vision? J'ai fait, non, pasteur, je crois pas à ça. Et oh. Il m'a regardé bizarrement, il m'a fait, tu crois à quoi? Je suis, ben, je pense que si quand tu aimes la personne, tu dis simplement que tu aimes, tu dis pas que j'ai une vision ou je sais pas quoi. Il m'a dit, Bonne réponse. Je préfère ça qu'une personne qui me ramène des visions. Voilà. Bon, après, je dis pas que les visions ne marchent pas. Non, mais dans mon cas, ça marchait pas. Non, mais après, de toute façon, on est tout à fait d'accord parce que. Chacun de nous a son expérience. Exactement. Quelqu'un qui a une vision, de toute façon, et ça, c'est moi, c'est personnellement, je pense qu'une personne, un homme qui a une vision pour sa femme, garde sa vision parce que, à partir du moment où il l'a dit avant que la sœur dise oui, ça devient comme une menace ou un chantage. Oui. Voilà. Voilà, donc et je l'ai vécu et c'est très très mieux attendre l'accomplissement. C'est vraiment pas agréable. On se sent menacé. Voilà. Et on se sent vraiment, on se dit, mais c'est pas possible, tu ne connais même pas. Voilà. Moi, je me souviens d'avoir dit à un frère, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas quelle tête il a, il me harcelait au téléphone et je me souviens de lui avoir dit, mais frère, tu me connais pas. Si tu connaissais mon caractère, vu comment tu me parles, je suis certaine que tu fuirais. Parce que j'ai du caractère, j'ai du tempérament, mais tu me connais pas, t'as vu mon visage, tu t'es dit celle-là je l'aime, c'est celle que je veux, elle est en Europe, je la veux, ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc non, je suis contente parce qu'en même temps quand on épouse quelqu'un, il faut connaître la personne, et il faut la connaître. Il faut connaître son tempérament. Exactement. Même si une fois qu'on est marié, c'est là que les deux se frottent pour pouvoir s'imbriquer à la perfection, il faut quand même connaître ce que tu vas avoir chez toi. Exactement. Parce que tu peux vivre un calvaire. Un calvaire, ah oui, il y en a qui vivent l'enfer sur la terre, ça c'est clair. Et est-ce que, j'ai une question parce qu'il y a pas mal de... J'ai eu à parler avec certaines sœurs, et certains frères aussi, il y a des gens en fait qui sont bloqués parce qu'ils ont des critères. Alors les critères, ils s'accrochent à leurs critères. Ils ont des critères avant le mariage. Ils se disent, moi mon mari, que ce soit des critères physiques ou psychologiques ou spirituels, il y a des sœurs qui vont dire, je veux un mari grand, clair ou petit, foncé ou comme ça, comme ça, comme ça. Je veux qu'il se fasse tant d'argent de poche, enfin tant d'argent de salaire, tant qu'il ait ça pour que j'accepte la fréquentation. Alors la plupart de ces sœurs-là, elles ne tombent jamais sur leurs critères de départ. Alors, je voulais savoir, si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que vous aviez un critère, une image de la femme parfaite ou de l'homme parfait, et c'est exactement sur ce sur quoi vous êtes tombé, ou est-ce que vous êtes tombé à l'opposé de ce que vous imaginiez alors, à l'époque? Non, sincèrement, personnellement, non, je n'avais pas de critère. Ok. La chance que j'ai eue en fait, parce que je cherchais pas le mariage. Ah. Je suis issu d'une famille recomposée, donc moi l'idéal, je me rappelle à l'époque parce que j'ai encore eu des membres de ma famille dans l'église même qui travaillent avec le pasteur, qui sont diacres ou autres. Nous sommes vraiment une très très grande famille. Et à l'époque, moi personnellement, je ne me disais jamais me marier. Donc en fait, je suis une personne qui a quitté la rue, qui est arrivée à l'église avec une idée de jamais se marier. Vous avez vu? Comme on dit, Dieu prend les gens comme ils sont. Voilà. Donc je suis arrivé me disant, moi, je serai... Paul. Non. En fait, vous avez le côté Paul et vous avez le côté... Voilà, la multitude. Voilà, d'accord. Voilà, sauf que dans le message, Dieu m'a fait grâce. Ouais. On ne croit pas à la multitude. Et je pense que... La polygamie. Oui, ben voilà. Justement, j'allais en venir. Donc, la polygamie, plusieurs femmes. Voilà, moi j'étais parti ne pas me marier. Donc, t'es polygame quand t'es marié. Quand t'es pas marié, t'es pas polygame. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, c'était beaucoup plus simple. Hein. Ouais. C'est après que j'ai accepté le Seigneur et après toutes ces choses. Oui. Et
Donc, quand vous voyez une personne qui rêve d'être footballeur au Brésil, ben voilà, tu peux pas. Soyons clairs, clair et net. Voilà, donc Dieu il a dû nettoyer de tout ça. Et je me rappelle même au départ, parce que à l'époque, elle allait souvent chez frère Willy. Ou frère Bajac. Au départ, c'était plus frère Bajac, et après. Qui sont tes frères? Ouais, et ensuite, elle a basculé chez frère Willy. Quand on me disait, tu vas te mettre avec Lisa, je dis, mais non, ça va pas. On parle juste. Au départ, il n'y avait rien. C'était juste deux personnes qui se parlaient. Mais quand. Ce que j'avais du mal à comprendre, en fait, c'est. Parce qu'en France, les garçons et les filles se côtoient et se parlent. Oui. Facilement. Oui. Et la mentalité des Africains ou les Congolais, je dirais plus des Congolais parce que nous sommes quand même dans une église majoritaire. Et c'était plus cette culture-là. Je voyais un homme, un garçon, une fille, dès que vous commencez à parler, il y a ça. Exactement, c'est vrai. Il y avait trop de choses. Ouais, et ça, j'avais du mal. Mm-hmm. J'avais vraiment, vraiment du mal. Mm-hmm. Et je me rappelle, quand on a commencé, après un certain temps, je ne sais plus quand, je pense que je devais avoir 19 ou j'allais vers les 20 ans. Une fois, je l'ai appelé, en parler. Après, et justement, c'était la période où on parlait beaucoup de copinage. Et je fais, écoute, moi, j'aime pas ce genre de choses. Je vais aller voir tes parents et je vais aller voir frère Arthur. Je suis tout content de moi et tout. Disant, oui, c'est bon, je demandais en fréquentation. Et là, elle fait, non, tu fais pas ça. Je fais, ah mais non, comme ça au moins c'est clair, c'est net et tout. Je fais, ah mais non, tu imagines ce que ma mère elle va dire. Là, je suis pas prête. Bah oui, elle était pas prête. Bah oui. Bah, si on revient, on a 3 ans de différence. Donc si j'avais 19, elle en avait 16. Si j'en avais 20, donc 17. Ouais. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais. Mais là, ça remet les choses dans le contexte. Donc en fait, c'était soit ça, ou alors on dit vous faites le copinage. Et moi, de l'autre côté, je me disais, mais le copinage, c'est pas ce que je fais. Mmh. Puisque quelque part, je dis clairement la chose. Sauf que. Bah, tu devais pas le dire. Et puis on était jeunes. Très compliqué. Mais ça, en fait, c'est là la difficulté pour les jeunes. Est-ce que je dois dire à la sœur que je vais l'apprécier, je voudrais la fréquenter, parce qu'on ne veut pas encore dire que j'aime. Vous êtes encore jeune, vous devez encore vous découvrir. Il y a plein d'autres choses. Et voir le pasteur pour lui parler de notre situation. Et là, frère Arthur m'a simplement écouté en tant que pasteur. Parce que. C'est une personne remplie de sagesse, au-delà d'être pasteur, parce que les pasteurs sont sagesse, mais j'ai la grâce d'avoir un pasteur ayant de la sagesse. Donc il m'a écouté, simplement il m'a dit nous étions jeunes, et de faire attention, de continuer à prier, et voilà. Donc ça c'était la première partie, et donc je laisse ma femme et on continuera au fur et à mesure. Alors de ton côté, quand il t'a parlé au téléphone, qu'il a dit qu'il allait voir tes parents, parler au pasteur, quand t'as dit non, pourquoi t'avais dit non? Il n'y avait pas des sentiments, parce que vous étiez déjà, pour qu'il te propose la fréquentation, c'est que vous sentiez tous les deux qu'il y avait des sentiments qui commençaient à se mêler. Alors moi, je vais répondre à ta question, et en fait en répondant à ta question, ça va répondre à ta deuxième question. Je suis quelqu'un, aujourd'hui je suis encore en paix avec moi-même, je suis ambitieuse. D'accord. Et ce qui fait que à cet âge-là, j'avais déjà des critères pour ma vie. Ah d'accord. Je pense que, bon après je connais pas de fille encore disant que non, moi j'ai pas de critères pour mon mari. Bon moi effectivement j'avais des critères physiques et il est bagaté. Il remplit les critères. Oui, il est noir. Ok. Et il est grand. Ok. J'avais pas beaucoup de critères, c'était assez réaliste. Mais c'est vrai que voilà, je voulais. Voilà. Après, en fonction de l'âge, je sais que là, je bifurque sur quelque chose qui est quand même réel, en fait, même dans le message, et ça, c'est dommage. C'était que, étant plus jeune, quand il a commencé à parler avec moi, je ne me voyais pas du tout avec une personne d'Afrique, parce que moi, je suis antillaise. Oui, on va y venir justement. Voilà, je ne me voyais vraiment pas du tout avec un Africain, et pour moi, c'était pas la peine, pas possible. Et bah, tu me connais bien pour savoir que je crois que je suis là. Plus africaine de toutes les Antillaises que tu connais. Mais aujourd'hui, souvent je dis que si la Lisa de 15 ans voyait la Lisa d'aujourd'hui, elle lui dirait mais c'est pas ce qu'on avait prévu pour toi, parce que c'était pas vraiment, enfin voilà, c'était pas vraiment mes critères. Après,
je disais, je suis ambitieuse, mais je suis pas le genre de personne qui va avoir des critères sur, voilà, pour que je puisse dire oui à une fréquentation, il faut qu'il ait un travail, je sais pas, en platine, qu'il ait ceci, qu'il ait cela. Je suis de ceux qui pensent qu'on construit ensemble. Oui. Donc, voilà, pour moi, quand il m'en a parlé, c'était pas parce que il m'intéressait pas ou quoi ou qu'est-ce, ce serait mentir. Ah. Mais quand j'ai dit non, c'est parce qu'effectivement, pour moi, si j'allais me marier à ce moment-là, bah, quelle serait ma vie plus tard, quoi. J'aurais pas la vie et j'aurais pas le niveau de vie que j'aurais voulu avoir. Il me fallait aller à l'école. Et puis ma mère, elle m'a toujours fait... J'ai une maman qui m'a toujours, en tout cas, fait confiance. Elle m'a vraiment élevée comme ça en me disant « Je te fais confiance, ne trahis pas ma confiance. » C'était ça, la base de l'éducation que j'ai eue. Et là, pour moi, c'était vraiment trahir ma maman, quoi. D'accord, de te marier jeune. Bah, de me marier jeune, sans j'allais dire background, mais sans diplôme, sans rien derrière, non, je pouvais pas faire ça. D'accord. Il me fallait avoir au moins, passé mon bac, avoir mon diplôme, et puis tonton Arthur, le jour où il a accordé la fréquentation, j'avais 20 ans, il s'est venu avec une menace. Parce que je passais le BTS et il m'avait dit, c'était au mois de mai et je passais le BTS 3 semaines après. Et il m'avait dit, si tu rates, tu oublies Joseph. Ah, donc, motivation. Donc il était clair que voilà, il avait, je pense qu'il s'était dit, il prenait un risque aussi d'accepter en fait aussi, de nous laisser nous fréquenter aussi 3 semaines avant les échéances. Mais voilà, j'ai réussi mon BTS et s'il y avait la mention, je l'aurais eu, donc je suis très contente et très fière. Donc non, pas de critères. Je pense que ce que je voulais, c'était vraiment avoir un foyer stable, un foyer aimant, un mari qui m'aime. Mmh. Et sur ce point, Dieu m'a vraiment bénie au-delà de mes espérances. D'accord. Oui, et de toute façon, ça se voit, hein, on a... On le voit, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de mots, on voit la complicité, on voit l'amour et c'est très beau à voir. Justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est un point que je voulais soulever, quand tu as dit que tu es antillaise, et c'est vrai, tu es antillaise, et ton mari est congolais. Au niveau de la culture, alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'intégration dans les familles respectives ? Quand je parle d'intégration, je sais que les deux familles, Dieu vous a fait la grâce d'avoir des familles qui sont directement aussi dans le message, pas tout le monde, mais là... majeure partie, voilà. Donc, je sais que de ce point de vue-là, les choses pouvaient être un petit peu plus tendres, hein, parce qu'on se dit, on est frères et sœurs. Mais, est-ce que l'intégration, justement, l'acceptation de l'autre culture a été un problème pendant que vous organisiez le mariage ou pendant que vous... Ben, dans tout ça, en fait, dans tout ce processus-là. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos frères, par exemple, en Afrique, qui veulent faire des Antilles ? Il y a eu des choses, mais c'est vraiment minime. Quoi. C'était minime, hein ? Oui. Je pense que ça en fait, je pense que... déjà, par ma belle-mère, pas du tout compliqué. Ok. Pour elle, c'était... Vu qu'en fait, on a plus... On va dire, notre relation, on a commencé très tôt. Oui. Et pendant X temps... c'était ça ne bougeait pas. D'accord. Et lorsque nous a, comme elle a dit, lorsque frère Arthur nous a donné le feu vert pour se fréquenter, en fait, quelques temps après, nous nous sommes retrouvés avec lui. On parlait déjà du mariage, on n'a même pas parlé de fiançailles. Parce que entre commencer à 16 ans, vouloir commencer déjà à parler de fréquentation, fréquenter ou avoir l'accord. Comme on dit, un récépissé ou... voilà. Ouais. Donc, nous, on nous a donné un récépissé, on cherchait déjà la carte de nationalité, c'est ça. Voilà, c'est ça. On rachète les temps. Fait, voilà, c'est... lorsque Frère Arthur, je me rappelle encore, j'étais à la maison à l'époque, j'habitais à Crimée, elle était à Corentin-Carillou, c'était dans le Paris 19, pas loin, c'était pas loin, mais vraiment à côté. Et je me rappelle, j'étais à la maison, je sais pas... Un lundi, pas de travail, rien. Frère Arthur m'appelle. J'étais désespéré en plus. Déjà, l'appel du passeur, je suis genre, purée, qu'est-ce qu'il va me dire? Je décroche ou pas? Pendant un moment, j'ai hésité et il y a une voix qui me fait, tu sais que c'est ton pasteur? Je sais pas, c'est le pasteur, je suis obligé de décrocher. Et là, je décroche.
Allô. Ouais, bonjour pasteur. Comment ça va? Fait, oui, ça va, ça va. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je fais, oui, je suis là. Fait, oui, je te cherche. Et dès qu'il m'a dit, je te cherche. Qu'est-ce qu'il va? Et là, il fait, passe tel jour. J'ai besoin de te voir après l'église. Ok, d'accord. Je me présente. Je suis mercredi soir. Et là. Avant déjà de descendre, ce jour, je t'arrivais en retard à l'église. Donc l'église avait déjà commencé, et Frère Arthur allait descendre. Et là, je croise Frère Arthur. Il me dit, oubliez pas après la réunion. Imaginez-vous maintenant, le stress. Je me retrouve. Je descends, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc pendant toute la prédication, le pasteur prêchait, et moi j'étais là. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vois? Et là, ça travaillait. Et après la réunion, j'ai été voir le pasteur. Et là, il me dit, alors, t'en es où? Parce que entre temps, j'avais arrêté l'école, je cherchais du travail aussi. Et il vient me voir, il me fait, t'en es où avec le travail? Je dis, oui, je suis à la recherche. T'en es où avec Lisa? Je dis, bah, ça n'a pas changé. Hein. Il me regarde. C'était sur sa chaise. Ça fait longtemps que je suis pas rentré dans son bureau, je sais pas s'il a changé. Oh, c'est bien, et là, il tourne encore, il tourne, il me regarde, il sourit, il prend son stylo, il met dans la bouche. Ah, ça, c'est lui, ça. Tu veux pas arrêter? Je fais, pasteur, ça se commande pas les sentiments, tu sais. Je suis pas en bout de bois, tu vois, moi je suis vrai, je te dis ce qu'il en est. Il fait, t'es sûr? Je fais, oui, pasteur, mais je t'ai déjà dit, et je suis toujours là, hein, toujours au même point. Il me dit, il me regarde, il fait, et si je t'accordais la fréquentation? Vous pouvez pas savoir mon cœur. enfin, là tu vois les choses sérieuses. Enfin. Là je regarde, je fais, oui, ça. tu te sens un petit peu fort, et là il me dit, bon écoute, tu vas chercher du travail, tu me ramènes 3 fiches de paye, et ensuite on verra. Ouais. Simplement dit ça. Quelle erreur. Ouais. Il savait pas qui. Là, ça t'a donné la motivation là. Mais non, motivation plus. Et là, ben, mercredi. Donc j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Dimanche, je me suis réveillé me disant, lundi, j'allais signer un CDI. Waouh. Quoi? Donc lundi. C'est vraiment comme ça, ça s'est passé. Oh. Lundi, je me dis, dimanche, j'étais à l'église. Il avait prêché sur la foi, il faut avoir la foi. Ben, moi, je sors de l'église, je fais, le pasteur, il a parlé. Et lundi, je vais signer un CDI. Donc, entre temps, pendant que je faisais mes études, j'avais travaillé dans une entreprise ERI. CDI, 3 mois après, j'ai été voir Frère Arthur. J'ai fait, tiens, pasteur, tu m'as demandé 3 fiches de paye. Lui, il m'avait demandé 3 fiches de paie, j'en ai apporté 4 pour te montrer que je suis sérieux. Et ben c'est là que ça a démarré. Et ben voilà, il a pris les choses en main. C'est même pas ma famille qui a suivi. À l'époque, mon frère Willy, il était diacre. C'était pas frère JP, c'était frère Willy. Donc c'est frère Arthur qui a tout géré. Il a pris contact avec les deux familles, la famille de Lisa, ma famille. Il a fait, bon, on se donne rendez-vous tel jour chez Sœur Monique. Donc moi, je me suis présenté seul. Je me suis dit, je suis grand, je suis un garçon, je veux aller seul. Et là, bah, j'ai été. On a vu, il a fait, bon, c'est bon, on commence les fréquentations. Dès qu'on est sorti de là, bah, moi, je suis sorti, j'ai commencé à faire mes affaires. J'ai été voir ma famille, je faisais, écoutez, je suis grand, ouais, j'avais quoi? J'avais 23 ans déjà, 22. Ça, 22. Oui, 22. 22, j'allais sur mes 23 ans. Je me suis dit, bon, maintenant on arrête les choses, moi je vais être sérieux. Je vais quitter la maison, je vais prendre mon truc et je démarre ma vie. Donc à partir de là, je commence à travailler. Frère Arthur, il me rappelait toujours, faut être sérieux. Faut pas laisser, parce que en fait, quand j'étais le voir, il m'avait dit, aujourd'hui, tu pourras avoir ton CDI qui me dit pas demain tu vas me carotter et que tu vas tout dans le CDI. Genre, les fréquentations, c'est. Voilà. Non, j'ai fait non, c'est pas mon but. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des trucs et on a engagé le processus du mariage. Waouh! Eh ben. Voilà, et un an après, on était mariés.
Eh ben, et est-ce qu'il y a eu une... Je vais revenir à la question de l'intégration tout à l'heure aussi, rapidement, mais est-ce qu'il y a eu une demande particulière? La demande en mariage, est-ce qu'elle a été particulière ou pas? Ou bah, elle était... Tes connaissances t'ont pu... On se marie ou pas? Non, mais justement, elle était vraiment particulière parce que, quand, comme j'ai dit tout à l'heure, Lisa, nous, c'était... Bah, vu que, en fait, on était plus, pour nous, on était plus à la limite des frontières. Mm. D'un côté, on disait copinage, mais de l'autre côté, tu veux bien faire. Mm. Lorsque frère Arthur, il nous a accordé les fréquentations, bah, généralement, tu vas voir la personne concertée, tu fais une surprise, tu dis oui, je te fais une demande en mariage. Mm-hmm. Bah, nous, déjà, c'était pas... C'était déjà, ça c'est fait. Vous nous avez pas dit dans... facile. D'accord. Voilà, donc je me rappelle encore quand on a fait juste une semaine avant, oui. Donc une semaine avant le semblant fiançailles. Mmh. Oh, et t'avais ton semblant. Oui, c'était des fiançailles. Oui. C'était voilà, c'était top, on va dire des. Oui, oh. Oui c'était top, vraiment top. Ouais. Je me rappelle, j'étais avec elle, j'ai pris un dimanche entre les deux réunions et parler, je fais attends, on va faire les fiançailles, mais. J'ai jamais demandé en fréquentation, en fiançailles. J'ai jamais demandé en mariage. Et là, elle commence à trembler. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et je fais, bah, c'est quand même bizarre. Donc, on est en train d'organiser le mariage. On parlait des robes. Ah, on avait déjà nos robes de oui, d'honneur. Oui, ouais, vous aviez déjà nos robes. Les garçons avaient déjà leur tenue et tout. Et lui dit qu'il va pas demander en mariage. Oh. C'est vrai, j'avais pas et fait. Et là, j'ai commencé à balbutier. Je dis. Bah, je vais la laisser raconter parce que c'est un petit peu drôle. Il l'a demandé. J'ai fait une blague entre temps. Ouais, une blague. Ouais. Une blague, voilà. Bah, ouais, j'aimerais bien. Tu peux me demander en mariage. Je m'en dis. C'est le genre de blague que les femmes n'apprécient toujours pas trop. Voilà. Oui, mais au moins, il a rigolé. On était à deux, il a rigolé tout seul. Au moins, ça a fait rire quelqu'un. Non, mais il m'a fait marcher, tu sais, derrière l'église. Et puis il me dit oui, je t'ai pas demandé en mariage en fait. Et je lui dis mais tu rigoles quoi. Il me dit mais non, là on est en train de parler tout ça, tu parles de tout ça, mais est-ce que je t'ai demandé en mariage? Oh, ah là t'as eu peur, mais du coup ça fait comme si... Mais il se fout de moi. mais je vais m'énerver. T'avais peur qu'il annule tout? Non, mais je savais qu'il allait pas annuler tout. Ouais. Pas en rêve, mais je me dis, mais c'est quoi son jeu en fait? Ouais. Et il me dit, non, bon bah écoute, et là il m'a fait marcher un peu, il a trouvé ça trop fun, et après il m'a demandé clairement de but en blanc. D'accord. Je lui dis, bah oui, mais bon, j'ai été. C'était déjà. Voilà, c'était déjà. Déjà lancé. C'était déjà tout lancé et tout fait. Oui. Pour revenir, moi, pour parler de mon côté par rapport à l'intégration, effectivement, il y a eu, je pense, même de son côté, hein, des ajustements, en fait, à faire, mm-hmm. des réactions des deux familles. Oui, oui. De son côté, où, voilà, c'était pas forcément accepté par tout le monde avec joie, même si, effectivement, nos deux familles se connaissent et sont plutôt proches. Hein. Moi, j'ai des oncles qui ont travaillé dans les entreprises de ses frères. Oui. J'ai notamment son grand frère et mon oncle qui sont très proches, qui sont diacres tous les deux et travaillent ensemble. Oui. Ça venait pas forcément d'eux. Oui. Mais voilà, de part et d'autre. On a pu avoir des réflexions, ouais, des réflexions de gens qui l'ont mal vécu parce que je pense que c'est aussi minime parce que de par notre positionnement, mm-hmm. c'est-à-dire que aujourd'hui, et ça je pense que bon, même si on serait tous les deux africains mais d'un pays ou d'un autre, ou même si on était tous les deux congolais ou tous les deux martiniquais, ouais, même si on était de la même tribu, c'est combats, le positionnement du couple en fait, oui, oui. Moi dans ma famille on sait très bien on touche pas à Joseph, oui. sinon c'est la mort, mmh. et vice versa, oui. Je vois enfin sincèrement le positionnement que Joseph il a vis-à-vis de moi auprès de sa famille. Personne ne pourra aller... Et en fait, ça a fait que moi, j'ai pu avoir l'espace pour gagner ma belle-famille. Oui. Et lui, ça lui a aussi donné l'espace pour gagner sa belle-famille.
Exactement. À un point où ma belle-mère, on parle pas forcément la même langue. Oui, oui. Mais franchement, je suis folle d'elle. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Mais et je sens qu'elle m'aime. Oui. Également, elle m'aime beaucoup. Et elle me le dit en plus. Oui. Donc voilà, je pense que c'est enfin, en faisant ça, en faisant chacun rempart, ça permet à l'autre de. Voilà, il y a des fois, par exemple, je sais pas, moi je fais la promotion de Joseph dans ma famille. Oui. Dire que, enfin, c'est comme ça que je suis. Et je me dis, en tant qu'épouse, je suis son directeur marketing. Donc je vais faire le marketing de mon mari. Et comme ça, à force de dire, si les gens entendent que du bien, en fait, d'une personne, elles vont finir par en penser du bien. Oui. Exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord. De toute manière, même en termes d'intégration, j'allais dire, les gens qui te connaissent ici, Lisa aussi, on voit, tu as dit tout à l'heure que ta belle-mère et toi, vous ne parlez pas forcément la même langue, mais tout à l'heure, tu parles en lingala avec le téléphone. Donc, voilà, tu apprends, tu fais des efforts. Lui aussi, il s'adapte, vous adaptez les uns aux autres. Tu sais cuisiner la nourriture congolaise. Ça veut dire qu'il y a eu cet effort qui a été fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui diront « Non, mais moi, je n'ai pas besoin de m'adapter ou de forcément me calquer. » Non, il y a un travail à faire, bien sûr. Il n'est pas forcé, mais il est volontaire. Oui. Et quand il est fait de bon cœur, il est toujours appréciable. Moi, quand je me suis mariée, je parlais comme ça. Ouais. Je disais que moi, on va... Parce qu'il y a quelque chose, si je pourrais dire un reproche, entre guillemets, c'est que j'ai grandi à Shalom. Shalom, c'est une église, on va dire, 90% congolaise. Enfin, à l'époque, surtout. Parce oui, surtout, maintenant, ça devient un peu plus... Maintenant. Voilà, ça, ouais. Mais jusqu'à ce qu'on se marie, c'était encore ça. Oui, 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 oui. Et moi, j'ai grandi encore plus avec toi qu'avec des gens de ma famille, que mes cousines germaines. Donc, j'ai vraiment grandi dans cela, mais je me disais, déjà, je suis déjà assez intégrée, j'ai pas besoin, normalement, de faire plus. Et je me suis mariée à un homme qui a une famille qui est... Enfin, clanique limite, oui, hein. Oui. C'est une famille qui est très très soudée et qui pour eux, je suis la seule antillaise, hein. Sinon c'est Congo ou les pays limitrophes quoi, mais sinon donc c'est une culture assez commune et c'était ce que je pourrais dire c'est que souvent et c'est pas que par rapport à ma famille, c'est par rapport à l'église. Moi, dès que quelqu'un me voyait que j'allais épouser Joseph, tu es devenue congolaise maintenant. Tu es congolaise. Oui, mais ça, c'est tu dois parler lingala. Et moi, non. Enfin, donc, voilà, oui. Pourtant, je comprenais déjà beaucoup le lingala, mais alors je dis non, je parle pas, je comprends pas. Et puis c'est tout. Et je voulais pas. Mais à force, en fait, tout ça s'est tombé. Et aujourd'hui, ça fait un moment qu'on est mariés. Et donc. Aujourd'hui, oui, là, je peux prendre le téléphone, parler avec ma belle-mère, lui répondre en lingala et le faire de bon cœur et par amour, parce que sa famille n'est plus ma belle famille, mais c'est devenu ma famille. Très bien, ça en fait, c'est ça aussi que j'allais dire, c'est vraiment la relation que vous avez. Joseph aussi, il y a Joe quand il va en Martinique, il mange aussi les plats de là-bas, il s'intègre très bien, il porte des chemises madras. Mais d'autant, il ne vient pas ici si Joseph n'est pas là. Ah d'accord. Donc, à chaque fois, s'il veut passer, il va me dire que Joseph bien. Est là. Et donc en fait, ça s'imbrique, mais c'est ça un mariage normalement. Voilà. Et autour de l'organisation de votre mariage, du coup, je sais qu'il y a des us et coutumes congolaises que justement vous n'avez pas appliquées, comme la dot. Et à côté de ça, vous avez des us et coutumes que du coup vous avez dû, on a aménagé, on a réussi à trouver un commun accord entre les deux cultures. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on choisit. On choisit ce qu'on veut. D'accord. Parce que les cultures, c'est ce que les hommes ont mis en place. Hein, voilà. Pour moi, voilà. Je vais pas rentrer dans le débat, mais pour moi, ça, enfin, je sais pas. Voilà. Donc, clairement, je voulais pas de dot. C'est moi qui n'en voulais pas. Ma mère, elle était pas chaude non plus. Mais déjà culturellement, aux Antilles, il y a pas la dot. Antilles, voilà. Et culturellement, la dot est mal vue aux Antilles. D'accord. Aux Antilles, quand tu fais une dot, tu vends ton enfant. Ouais, il y a vraiment cette connotation de vente de ta fille. D'accord. Et objectivement. Je comprends toute la symbolique de la dot, mais c'est vrai que la dot, comme elle est faite par beaucoup aujourd'hui, ressemble quand même à un petit peu du commerce. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est pas ça. Mais donc moi je voulais pas de la dot. Oui. Ma mère elle voulait pas. On était sur la même longueur d'onde, donc tant mieux, pas de dot. On a fait une réunion pour l'organisation du mariage où il était venu avec Papa Robert, donc.
Et est-ce que le papa Willy était là? Oui, et papa Willy. Donc avec ses deux plus grands frères. Et il était aussi, et moi j'étais, on était là avec ma mère et mes oncles aussi. Et donc on a parlé. Mmh. Et c'était amusant parce que je me rappellerai toujours de cette phrase de papa Robert, parce que maman elle lui a dit, écoute voilà, nous il n'y a pas la dot, mais le mari paye tout. Le mari paye tout le mariage. Oui, tu viens épouser ma fille, tu me montres que tu es capable, tu payes tout. Tu prends ma fille, moi je l'habille, je te la dot. Et lui, papa Robert, il a dit, oh, mais c'était mieux de faire la dot alors. Calcul le voyage, le nombre de personnes qu'il devait y avoir, c'était voilà, financièrement parlant, c'était moins intéressant. Mais on a finalement pareil, voilà, on a choisi. On n'a pas fait 100% chez nous, ils n'ont pas payé 100%, mais ils ont payé la grande majorité du mariage quand même. Mmh. Et on n'a pas fait la dot non plus. Voilà. Je pense que même dans la façon dont les choses se sont faites et dont les choses se font encore aujourd'hui, même dans nos familles, moi, ma famille va me dire que j'ai pris beaucoup du côté congolais et que je suis devenue limite une congolaise. Et Joseph, on l'appelle le blanc de la famille. Chez les Biongo, c'est le Mundé. Donc, tu vois, c'est vraiment... voilà, mais ça fait que pour nous, en tout cas, dans notre foyer, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et limite, je me dis des fois, sur certains trucs, je vais être encore un peu plus blédarde que lui. Mais ça fait que ça fonctionne et que ça donne, si ça marche, autant que ça continue comme ça, quoi. Ouais. Et là, donc, du coup, combien d'années se sont écoulées? Vous avez combien d'années de mariage? 12 ans. 12 ouais, on aura 13 ans de mariage. 13 ans en juillet. Juillet 2019. Combien d'enfants? Les âges, les noms? Elina, elle a 11 ans. Et les années de naissance? Elle est née en 2007. Ok. Noélie est née en 2010. Elle va avoir en février. Février 2010. Elle aura en février 2019, là, 9 ans. D'accord. Merci divine. Maëline est née en 2011. Ah, en janvier. Donc 2010-2011. Oui, 11 mois d'écart. D'accord. Donc Maëline aura le 30 janvier 8 ans. D'accord. Et ensuite, on avait fait une pause qu'on pensait éternelle, mais on a un enfant qui est un petit garçon. Noam est né en janvier 2017, donc il aura vendredi, si tu veux, 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc, 12 années de mariage, 4 enfants, plusieurs challenges, plusieurs combats, j'imagine, au début. Vous avez connu, vous savez, on observe les couples, vous avez connu... des hauts et des bas, la maladie, la reprise des études, voilà, vous avez pu vous soutenir l'un l'autre dans vos projets. Quel conseil vous pourriez donner? À quel genre de combat on peut s'attendre dès le début, au début du mariage? Oui, on a eu des moments de galère, surtout au début. Mm-hmm. Le mariage nous a ruinés. Bon. Donc là, il y aura un conseil à donner aux ne vous ruinez pas. Pour faire une fête de mariage. Pour faire une fête de mariage pour laquelle vous n'êtes même pas sûr d'avoir la vidéo à la fin. honnêtement, il faut avoir un beau mariage, mais pas, nous, on n'avait pas fait de crédit parce qu'on avait vraiment beaucoup d'argent de côté. Oui. On a du jour au lendemain, on n'avait plus d'argent de côté. C'était le gouffre. Oui. C'était vraiment très très difficile. Et pour commencer, ensuite, il y a eu la grossesse tout de suite. Mm-hmm. J'ai découvert la grossesse et ses souffrances. Oui. J'étais très jeune. Toujours malade. Oui. Dès que je sortais, je tombais malade. Donc, je me souviens d'avoir appelé ton tortue en lui disant « Je vais craquer ici !» Parce que si, dès que je sortais, je tombais malade. Donc, je restais à la maison. Et donc, rester à la maison, c'était pour moi... pas possible, parce que par mimétisme, moi, ma maman, j'ai été élevée par une femme qui travaille, et donc moi aussi, je travaillais, et donc rester à la maison, pour moi, ça me donnait mal à la tête d'être toujours, toujours obligée, en fait, d'être là, pas par choix, mais par obligation. Donc, il y avait les problèmes financiers, il y a eu aussi, même si c'est vrai que pendant tout ce temps de conversation, d'amitié, de copinage, ou je sais pas comment on va appeler ça, de fréquentation. Ça a duré quand même 5 ans avant qu'on se marie. Donc j'ai vraiment épousé une personne que je connaissais, mais
Après, je savais pas que, je sais pas moi, où il déposait ses chaussettes en rentrant chez lui ou voilà. Mmh. Donc le quotidien, je connaissais pas. Et vice versa. Donc effectivement, au début, bah, il y a eu aussi il pouvait y avoir des petites tensions. Mais c'est pas, c'était jamais. Je pense qu'on a, je pense que sur les 5 ans, on a, je sais pas si t'es d'accord, mais on a usé tous les vrais sujets de grosses disputes de personnalité ou quoi, ok, quand on s'est marié, on se connaissait vraiment. D'accord. Après, la maladie, surtout sur les 4 dernières années. Oui. J'ai été très malade, je me suis fait opérer plusieurs fois et de lourdes opérations. Et la dernière opération que j'ai eue, c'était au mois de juillet de l'an dernier. Et là où là même mon cœur il tenait plus, donc il va falloir. Enfin, on a décidé que c'était vraiment la dernière. Mais c'était assez compliqué parce que effectivement tu parlais de reprise de l'école. Joseph est le premier à avoir repris l'école dans notre. D'accord. Vous aviez déjà l'enfant et. Ah non, non, on avait trois enfants quand il a repris les cours. Oh wow. Elles étaient. Maëline était bébé. Hein. Ouais. Mais ça, c'est un gros challenge. Juste après la naissance de Maëline. Ouais, juste après la naissance de Maëline, il est retourné à l'école. Il a eu de la chance. Par la grâce de Dieu, le lycée était à pied de la maison. D'accord. Là où il allait passer son BTS. Ok. Et il a fait en un an. Oh. Et donc, les enfants étaient petits. Donc moi je m'en occupais, j'allais travailler et lui d'aller à l'école. Oh c'est bien ça. Et ensuite, j'estime que quand on se marie, et c'est un conseil que je donne aussi beaucoup à mes petites sœurs qui se marient ou qui veulent se marier, c'est que souvent, nous quand on a grandi, on entendait, oui effectivement la femme doit être soumise et ça c'est vrai. Ça doit demeurer, il doit servir son mari, s'occuper du foyer, de la maison, faire à manger, etc. Mais je pense également que soutenir ton mari, c'est pas seulement lui faisant à manger, c'est aussi en prenant tes compétences et en les mettant à profit. Par exemple, t'as une bonne élocution, ton mari, il a cette chaîne, ben tu l'aides, vous travaillez ensemble. Mmh. Et là, tu fais pas à manger, mais tu soutiens ton mari. Mmh. Et pour moi, je disais tout à l'heure, je suis le directeur marketing de Joseph, mais pour moi aussi, c'est, je me dis, j'essaye d'aider mon mari au maximum, de le soutenir au maximum, de le pousser à faire des choses. Parce que comme je disais tout au début, je suis ambitieuse et effectivement, je me dis, sa réussite, c'est la mienne. Exactement. Et ma réussite, c'est la sienne. Et voilà, on travaille comme ça, on travaille comme ça, parce que c'est le mot, on travaille comme ça. Il a passé sa formation, il a évolué professionnellement. Mmh. Et par la suite, moi, c'est vrai que j'ai arrêté l'école parce que je voulais me marier. Mmh. Parce que sinon, j'aurais pu continuer. Et Dieu m'a fait grâce en fait d'avoir après d'avoir un manager qui m'a proposé de me former et que l'entreprise paye tout, mais vraiment tout. Et ça c'est un grand témoignage en fait. Oui. L'entreprise m'a payé l'école, l'entreprise payait mes tickets de métro pour aller à l'école, payait mes repas quand j'allais à l'école, enfin j'étais comme une princesse. Et l'entreprise m'a vraiment tout payé et j'ai pu aller moi aussi faire un master en ressources humaines. D'ailleurs, félicitations, on a vu une photo dernièrement. Merci. Bravo. C'était assez compliqué parce que. Dans ce cas-là, en fait, c'est moi qui ai repris la relève. Voilà. Donc, félicitations à toi et à Joseph pour le master d'Elisa. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il y avait. Quand on a déménagé entre temps, je nous a baigné avec la maison dans laquelle nous sommes. Oui, on avait. Et on a déménagé, ce qui fait qu'on habitait plus sur Paris, que l'école était à Paris, que c'était très loin et que j'en pouvais plus de me lever pas d'heure pour aller à l'école. Donc je dormais chez ma mère et Joseph il travaillait, s'occupait des enfants et allait travailler, rentrer et les cours c'était 2 jours ou 3 jours dans la semaine. Donc je faisais 1 ou 2 nuits à l'extérieur toutes les 2 semaines et il gérait la maison pour que je puisse réussir là-bas. Donc voilà, je pense que s'il avait pas fait ça, j'aurais pas pu réussir. Très honnêtement. Et on n'aurait pas pu être là où on est aujourd'hui. Ouais. C'est de l'interdépendance. Exactement. Voilà. Donc, au-delà de ça aussi, vous avez aussi créé aussi une boîte. Tout à fait. En fait, je me suis mis en auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est ça. C'est un désir de ma femme. Bon, je te laisse parler. Ok. Parce que si vous voulez. Marketing, c'est. Comme Fort Arthur, il dit, vous me voyez devant, mais il y a une personne derrière. Oui. Ben là c'est pareil. En fait,
c'est moi qui on met devant, mais il y a une personne qui travaille derrière. Mmh. Et c'est cette personne. Mais ton jeu, je peux lui faire un bisou. Elle est là. Bisous simple. Vas-y. Elle est un bisou sur la joue. Je suis contente. Non. C'est ça, vraiment. Non, c'est oui, en fait, il est dans une famille d'entrepreneurs. Oui. Les entreprises qui marchent par la grâce de Dieu, ils en vivent, ils en vivent bien. Il me fait penser à Joseph dans la Bible où il est vraiment consciencieux dans ce qu'il fait, mais il est si discret et il veut laisser le travail parler pour lui-même. Mmh. Et c'est bien, mais c'est aussi les violents qui s'en emparent parfois. Mmh. Donc j'arrêtais pas de lui dire non, mais ça serait bien que tu penses à faire quelque chose. Oh non, c'est pas le moment et tout, c'est pas le moment. Et puis, au moment où on a ouvert l'auto-entreprise, c'était un moment où on envoyait des problèmes, moi avec mon employeur qui avait décidé du jour au lendemain de ne plus me rémunérer. Et donc, ça faisait près de 2 mois qu'il n'y avait, en tout cas de mon côté, plus rien qui rentrait. C'était assez compliqué. Et je lui ai dit, mais non, mais attends, regarde, tu peux faire quelque chose. Et au travail, il s'est fait remarquer parce qu'il travaille bien. Et au travail, il y a eu un chef qui lui a proposé un job, en fait. Et il a accepté et il l'a fait. Et en le faisant, il s'est rendu compte qu'en peu de temps, il a pu amasser quand même une belle somme d'argent. Je lui ai dit, tu vois, c'est tout ce que j'attendais, en fait, pour pouvoir vraiment lui dire, bah, tu vois. Je lui ai dit, bah, tu vois, ça ne coûte rien, ou ouvrons cette autre entreprise. Et je me souviens, on l'a fait tous les deux avec sur le téléphone. Oh. On l'a fait sur le téléphone et tout. Et je dis, non, regarde, pour la symbolique, je crois qu'il faut payer 4 ou 7 euros quand on ouvre une entreprise. Je dis, je vais la payer, je vais payer pour mon... Parce que comme ça montrera, parce que l'électricité, j'y connais rien. C'est dans l'électricité. Mmh. Je veux vraiment montrer que voilà, j'ai fait quelque chose. Voilà. Donc au début, je me souviens d'ailleurs, où là on peut dire, oui, des fois il y a des trucs, c'est qu'au début il me parlait, oui, bah fais-moi ci, fais-moi ça. Je ne suis pas ta secrétaire, je suis ton directeur administratif et financier. Et toi, tu es directeur des opérations. C'est ça, je suis directeur administratif et financier. Tu m'expliques, moi, je gère. Oui. Voilà. L'entreprise, c'est... on a décidé de l'appeler Jocely et Lay pour Joseph, Lisa, électricité. Oui. Là, par contre, je vais laisser la parole au directeur des opérations de la technique. Car là, on va rentrer dans la technique de l'électricité. Oui. Ça n'est pas mon domaine. Oui, oui. Donc, si je vends la carte, Jocely et Lay. Donc, Joseph et Lisa, électricité. Si vous avez besoin d'un coup de main, d'un dépannage, d'une installation, vous pouvez toujours nous contacter. Même de l'audit. Pardon ? Oui, même de l'audit ou autre. Donc, je suis spécialisé en électricité. Donc, ma femme, elle est là pour faire le devis. Il n'y a pas de souci et tout ce qui s'ensuit. Okay. On va garder cette carte à Gapo Presse, okay. Comme ça on va bien la montrer. On a fait faire le logo. Très beau. On va dire, on va aller au marketing jusqu'au bout. On a fait faire le logo par Naomi Ferguson. Ah d'accord, ok. Qui nous a fait plusieurs propositions. Et, c'est très, un très joli logo. De toute façon, le public pourra voilà. Le découvrir. Donc il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre ? Oui, il y a eu la maison, par la grâce de Dieu. Franchement, oui. Dieu nous a bénis, c'était comme une blague. Non, parce qu'on n'avait pas prévu d'acheter du tout. Ouais. Et c'est une collègue qui n'arrêtait pas de nous dire, de me dire, en fait, au travail, je me faisais harceler par ma collègue tous les jours. Viens chez moi, tu vas voir, c'est beau. Je dis, mais on dirait la campagne, où est-ce que tu habites? C'est loin, moi j'ai toujours habité à Paris, je ne connaissais rien d'autre. Elle me dit, mais non, viens. Et puis bon, alors moi qui a commencé à prendre la tête à mon mari à la maison, faut qu'on y aille parce que sinon elle va pas arrêter de prendre la tête et tout. On n'était pas du tout prêt à acheter parce qu'en France on a le mythe où on se dit pour acheter il faut mettre des millions de côté. Le conseil que je pourrais donner à d'autres couples, c'est allez-y avant même si, le pire qui puisse arriver, c'est ça marche pas. Voilà. Donc autant y aller. Tenter. Tenter. Parce que étant jeune,
Et il y a un milliard de dispositifs qui est mis en place. Et avant en fait, 35 on s'est retrouvé, ans de préférence. Et on s'est retrouvé, ouais. On s'est retrouvé propriétaire. Limite, ça nous est tombé dessus. Voilà. On n'avait pas prévu. On a dû venir ici un samedi matin, on était fatigués. On a visité 4 maisons ici, c'était la deuxième. Quand on est sorti, Joseph, qui ne voulait même pas visiter à la base de maison parce qu'il nous disait qu'on n'était pas prêt, dès qu'on est sorti sur le parking, là, il a dit à la dame, je veux celle-là. Ah. Et 6 mois après, c'était à nous. Ouais. Et j'étais même venue une fois, j'ai vu comment tu dirigeais les travaux, Lisa. Ah oui, on a fait beaucoup de travaux. Énormément de travaux. On a fait beaucoup de travaux, mais la maison était n'avait pas forcément besoin de travaux, mais par rapport à ma vision, ah bah oui, en fait, à vision, notre vision, elle était différente. Artistique. Oui. Donc, voilà. En tout cas, c'est un très bel accomplissement et j'espère que ça sera une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes couples. Alors là, on tend vers la fin. J'ai besoin de faire un petit morceau, un petit jeu, juste un petit jeu. Je voulais juste demander à Joseph, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que Lisa fait ou qu'elle dit ou un réflexe qu'elle a au quotidien, qu'elle fait tout, mais que tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire que tu aimes ça. Mais c'est quelque chose qui te fait quelque chose, que tu trouves ça mignon, ça te procure quelque chose en fait, mais tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire. La parole est à toi. Tu peux t'adresser directement à Lisa? Oui, bah, ce qu'elle a fait tout à l'heure. Ah. Quand t'as écrit comme ça, oui, mais c'est mon mec, c'est mon oh. gars. Voilà, j'aime bien. T'es bien. Elle le dit souvent, c'est mon mec, oui, c'est mon gars. Ça te fait quelque chose? Bah oui, forcément. Ouais. Oh, tu savais pas? Je l'ai jamais dit. Oh, elle l'a jamais dit? Non, ah bon? Mais toi, Lisa? Il y a trop de choses. Tu vas pleurer là. Non mais il y a trop de choses parce que en fait. La chose là, que tu n'as jamais dit, jamais. Je parle tellement. Ouais. C'est quand il vient et par exemple si je fais à manger, mm-hmm. ou je suis dans la cuisine ou je suis occupée et il vient derrière moi, il me prend dans ses bras, il me dit des trucs gentils et tout ça, ouais. J'aime bien. Oui, j'aime bien quand il me fait des poèmes le matin. Ah, il te fait des poèmes le matin? Oui, il me fait des poèmes le matin. Ah, oh, mais dis donc, Joseph, on dirait pas. Et là, j'ai l'impression que je suis dans la Bible quand on dit que ça, elle son est mari s'élève. Ouais, elle a chanté trop bien. Là, je suis au summum de moi-même. Waouh. Là, laisse tomber, là, je dis à mes filles, non, mon mec, il m'a dit que. Voilà, et c'est ça qui dit. C'est ça, j'aime bien. Et une autre chose qui me fait vraiment craquer, par contre, c'est quand je le vois avec ses filles. Oui. Là. En fait, même tout à l'heure, tu as pu voir, et ils les invitent au resto sans moi. Oui. Ils font leur date. Oui. Et ça, ça, j'aime trop. Oui. Ça, c'est. J'aime trop. Est-ce que tu peux m'imiter, Lisa? Pour que tu me dises comment elle. Imite-moi, Lisa, je vais voir si ça ressemble à Lisa un peu. Une phrase ou quelque chose qui ressemble le plus à Lisa. Comment tu la vois? Allez. Bon, je la vois. Ouais. Ça dépend du moment. Ouais. Ça dépend vraiment du moment. Lisa, c'est. Tu vois pas comme ça? Ouais, c'est. Souvent, c'est ça. Ok. T'entends ça comme ça? Oui, c'est vrai, j'entends. Lisa, c'est ça, moi je fais ça. Une voix aiguë. Ouais? Bah, elle parle, me fait. Tu m'écoutes pas? Si, je t'écoute, mais pourquoi tu réponds pas? Parce que je t'écoute? Parce que je parle pas tout le temps. Je parle pas beaucoup, mais. Voilà. L'écoute beaucoup. Voilà, elle a besoin de. Elle te parle, tu réponds. Mais quand tu réponds trop, mais pourquoi tu lui réponds? Et toi, Lisa, t'as l'occasion de te manger. Toi. J'ai mis Joseph? Oh, oui, là tu vas arriver tout de suite. Ça, en fait, c'est le silence. Ah, c'est ça, Joseph? Voilà, c'est le silence. Ah, d'accord, ça c'était l'imitation. D'accord. J'ai raison. C'est le silence. Elle parle, ouais. Tu écoutes, tu peux pas écouter parler en même temps. Ah, ça peut lui dire. Ah, d'accord, elle est encore en train d'écouter. Non, tu peux. Et après. Oh. C'est ça, Joseph. On écoute avec les oreilles. Ah, c'est ce qu'il dit. Parce qu'en fait, là, j'étais gentille, je t'ai regardé. Ah, d'accord. Ah, il y a Joseph, lui, quand tu parles, il regarde son téléphone. On écoute avec les oreilles. Tu m'écoutes pas. On écoute avec les oreilles.
sauf qu'il a une voix plus grave. Oui, j'ai pas sa voix. Sa voix mélodieuse, comme. En tout cas, vous êtes vraiment très, très. Non, bien. Mais Joseph, c'est quelqu'un de quand on le connaît pas, de très timide, de très discret. Mais une fois que. Mais quand on le connaît, franchement, c'est quelqu'un d'ouvert, avec qui on peut discuter de plein de choses, quelqu'un de marrant. Et Donc après toutes ces années, c'est ce que tu as envie de lui dire, que. Ouais, les top. Les top, mon mec. Et à Joseph, à part Lisa, après toutes ces années, tu peux dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Si c'était à refaire, je referais. J'avais raison d'avoir saoulé le pasteur. Et voilà, parce que entre les gens qui ne connaissaient pas Lisa, si à l'époque j'avais écouté certaines personnes, je pense pas que je serais avec. Et je pense que j'ai fait la bonne chose de ne pas écouter. Même quand on disait vous faites des copinages, j'ai bien fait de ne pas écouter. Vous savez, pasteur, non mais je rigole. Non, sincèrement non, en fait Lisa c'est une personne quand on connaît pas, en fait elle aime, bon on dit la femme reflète l'homme. C'est moi, quand on me connaît pas on va dire mais lui il est sérieux, il parle pas, il est ça. Et elle quand on connaît pas, on peut dire qu'elle est froide, quand on connaît vraiment pas, ouais, parce que quand on connaît pas du tout. On se rend tout de suite compte que c'est pas l'inverse. C'est pas du tout cette personne. Et elle a beaucoup de qualités, elle a des énormes qualités, voilà, et c'est la personne qu'il me fallait. Donc moi j'ai la grâce de Dieu m'a vraiment fait grâce d'avoir une femme en fait qui me supporte et me pousse vers le haut. Et je pense que c'est ça un couple. Elle a des compétences que j'ai pas, j'ai des compétences qu'elle a pas. Donc là où elle a pas, je la pousse vers le haut, et là où j'ai pas, ben, elle me pousse vers le haut, et ensemble on se soutient mutuellement et on essaie d'avancer. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout en restant le chef ici. Tout en restant le chef, bien sûr. Ah bah oui, heureusement. Mais, en tout cas, c'est ce qu'on ressent le plus dans votre foyer. On ressent cet amour, cette soumission et ce partenariat aussi, qui fait qu'il y a un bon équilibre même au niveau de l'éducation de vos enfants. Et pour ça, on vous dit merci, parce que c'est un très bel exemple que vous nous donnez. Donc, sur cette note-là, Agapo Press vous remercie de cette interview fort agréable. Merci Agapo. Et, on vous souhaite vraiment encore plus de bonheur et plus de bénédictions. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous aussi. Non, voilà, je sais même plus c'était quoi la question. Par rapport aux critères. Donc du coup, il n'y avait pas de critères forcément. Ben, non. Il m'a simplement écouté, il m'a dit c'est bien et. C'est pas ça. Attends, il faut qu'on fasse ça. Mais grave, la vérité, il nous faut le mec qui m'a...